La gestion des corps fait également partie des responsabilités de MSF dans une structure de santé. L'acceptation culturelle est ici fondamentale. Assurez-vous de respecter les codes culturels régionaux en la matière, car ce sujet est toujours délicat. Les corps doivent être conservés de manière sûre, avant d'être enterrés ou incinérés. La morgue demande toute votre attention. Sa taille et son emplacement au sein de la structure de santé sont importants, de même que sa ventilation. Veillez à ce que la morgue soit séparée pour les unités d'isolation et garantissez un certain niveau d'intimité. Les corps doivent être manipulés de manière sûre. Appliquez les mesures d'hygiène et de désinfection adéquates lors de la manipulation et la préparation des corps. Les personnes chargées de la préparation des corps doivent porter des gants et se laver les mains comme le prévoit le protocole. En cas de maladies contagieuses comme le choléra ou Ebola, la gestion des corps est très spécifique et suit des protocoles très stricts. Le personnel chargé de la gestion des corps doit porter un équipement de protection et respecter des procédures de désinfection, comme la pulvérisation de solutions chlorées. Le personnel MSF doit être prudent lors des inhumations en utilisant des sacs mortuaires étanches. Une formation spécifique s'impose, qui sera assurée en cas d'épidémie.